je suis entouré. Vous êtes bien. Parole aujourd'hui est l'une des plus marquantes, des plus importantes dans ce cœur à cœur qu'elle a vécu avec Jésus, c'est cette phrase. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Cette parole, bien sûr, Thérèse l'a prononcée, mais elle s'en est inspirée de ce cœur à cœur avec Jésus par rapport à la parole qu'elle lisait tous les jours, la parole de Dieu, cette bonne nouvelle, l'Évangile. Et on sera invité à ouvrir ce livre de la bonne nouvelle. Les jeunes des 6e et 5e de la province Île-de-France. Bienvenue pour vivre ces rassemblements qui nous sont proposés par nos évêques en Île-de-France et par le service de la coopération missionnaire. Ces rassemblements sont pour vous un temps fort d'église, pour découvrir le message de Thérèse, la dimension universelle à travers le témoignage des témoins. Alors on va voir un petit peu d'où vous venez. Est-ce que le diocèse de Paris est arrivé? Pas encore. Est-ce que le diocèse de Meaux est là? Oui. Est-ce que le diocèse de Versailles est là? Oui. Est-ce que le diocèse d'Évry est là? Oui. Est-ce que le diocèse de Saint-Denis est...
Parmi les blancs qui ont crié si fort le diocèse de Saint-Denis, nous avons la chance d'avoir Monseigneur Delannoy qui présidera nos deux célébrations. Nous avons la chance d'avoir aussi bien Steve, Christophe et Michel. Cette année, on a proposé, voilà, pour faire réfléchir un petit peu sur un thème du chemin du cœur à cœur. Bien, on espère que vous êtes préparés et vous aurez toute la journée pour pouvoir continuer de le vivre. Je m'adresse aux animateurs, ne sortez pas, ne vous levez pas à la fin de la célébration. On vous donne des consignes. Merci. C'est déjà le quatrième rassemblement. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'aimerais d'abord vous dire merci. Merci d'avoir fait l'effort de vous lever de bonne heure pour arriver ici. Participer de ce fleuve de personnes qui, tout au long de l'année, vient ici et se laisse saisir par Sainte Thérèse. Tout autour de la basilique, vous avez des portraits de Thérèse, petite ici, un peu plus grande là, 4 ans, 7, 8 ans, 13 ans, elle est belle, n'est-ce pas? Oui. Et puis un peu plus loin, comme religieuse. Et Thérèse a découvert un secret. Elle a découvert le secret du cœur à cœur avec Jésus. C'est le thème que vous avez réfléchi tout au long de ces mois. Et Sainte Thérèse aujourd'hui nous montre la voie pour entrer encore davantage dans ce cœur à cœur. Ainsi, nous laissons Jésus nous accueillir. Regardez sur l'abside, ici, Jésus, de rouge vêtu, tenu par la Vierge Marie à gauche, Thérèse à droite, et cette parole de Jésus, « Venez à moi, venez à moi. » Et tout à l'heure, nous avons chanté « Abba, Père ». Et le Père est représenté au-dessus, comme avec une grande barbe blanche. Et puis entre deux, quand on s'approche un peu plus, il y a au-dessus, ici, la colombe de l'Esprit. Ainsi donc, c'est le Père et le Fils, Jésus et l'Esprit Saint, qui nous accueillent et dont Thérèse a découvert le chemin, la petite voie qui conduit à l'amour de Dieu. Dans ce cœur à cœur, où est-ce que Thérèse a découvert ce cœur à cœur? Elle a commencé à le vivre sur les genoux de sa maman, sur les genoux de son papa, la tête reposée sur le cœur de son papa, comme la statue ici dans la deuxième chapelle. Et vous qui êtes plus loin, vous viendrez le voir plus tard. Cœur à cœur de Thérèse avec son Seigneur. Et tout à l'heure, quand vous chantiez « Abba, Père », je me disais « Quelle belle prière !» En chantant, nous avons parlé dans notre cœur et à travers notre voix à Dieu le Père. C'est beau, non? Je vous livre un petit événement qui est arrivé à Thérèse. Un jour, Thérèse, elle est au Carmel. Il y a un cloître tout autour pour marcher, prier. Elle est appuyée sur un meuble, comme ça. Et il y a une larme qui perle sur son visage. Alors, il y a une sœur qui est là, qui s'approche et qui lui dit, mais, sœur Thérèse, qu'avez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Et elle lui répond, je prie le Père, je récite le Notre Père. Et Thérèse ajoute,
Il est doux de la douceur. Il est doux de pouvoir appeler le bon Dieu Papa. Bonne journée et chantez. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À nouveau, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à chacun, à chacune d'entre vous, et de vous souhaiter une belle et bonne journée de pèlerinage. Toute cette journée, nous allons mettre nos pas dans les pas de la petite Thérèse pour entendre ce qu'elle a à nous dire pour aujourd'hui, pour chacune de nos vies, pour chacune de nos communautés. Cette année, nous fêtons un événement important, nous fêtons le 150e anniversaire de la naissance de Thérèse. Thérèse est née il y a 150 ans et ceux qui parmi vous sont bons en calcul mental ont déjà découvert que Thérèse est donc née en l'an 1873. Nous fêtons le 150e anniversaire de sa naissance. Thérèse est là avec nous dans la communion des saints, et quel que soit notre âge, soyez-en convaincus, elle a des choses à nous dire tout au long de cette journée. Alors ouvrons toutes grandes nos oreilles et dès à présent, rendons nos cœurs disponibles pour écouter la parole de Christ qui va retentir dans l'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous. Un livre avec toutes ses méditations
avec ses prières et que dans ce livre, elle révèle le secret du bonheur. Des millions de personnes ont lu et lisent encore ce livre et leur vie en est bouleversée car Thérèse y révèle le secret du bonheur. Quel est le secret du bonheur que nous révèle Thérèse? Il est tout simple. Dieu aime chacun et chacune. Et chacun, chacune peut aimer Dieu. Dieu aime chacun d'entre nous. C'est la première partie du secret. Vous allez me dire, mais on le sait que Dieu nous aime. Vous le savez, avec votre raison, avec votre intelligence. Mais le savez-vous avec votre cœur? À l'époque de Thérèse, et aujourd'hui encore, beaucoup de personnes pensent qu'elles sont trop imparfaites pour être aimées de Dieu. Et Thérèse va leur dire, et Thérèse nous dit, Dieu vous aime avec vos qualités, vos dons et aussi vos imperfections. Et si votre vie est marquée par le péché, sachez que Dieu n'a qu'une hâte, c'est de vous les pardonner. Et tout au long de cette journée, si vous le souhaitez, vous pourrez vivre la célébration du pardon, la célébration de réconciliation, de confession. Premier secret du bonheur que révèle Thérèse, première partie de ce secret, Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous aimer. Cela doit toucher notre cœur, comme cela a touché le cœur de millions d'hommes et de femmes à travers le monde. Deuxième partie du secret, chacun, chacune peut aimer Dieu. Et Thérèse dit que pour aimer Dieu, il ne s'agit pas de faire des choses très difficiles, exceptionnelles, qui demanderaient des efforts surhumains. Elle nous dit que nous pouvons aimer Dieu à travers les petites tâches de la vie quotidienne. Nous pouvons aimer Dieu en rencontrant nos amis. Nous pouvons aimer Dieu en rendant des services dans notre famille. Nous pouvons aimer Dieu par une prière fidèle chaque jour de notre vie. Il est dans notre capacité d'aimer Dieu, de pouvoir l'aimer à travers les petites choses de la vie. Non pas pour en tirer une gloire aux yeux des hommes, comme nous le rappelait l'évangile que nous venons d'entendre, mais tout simplement pour être toujours davantage en communion avec Dieu. Dès le début de cette journée, je vous invite donc à retenir le secret du bonheur que nous révèle Thérèse, ce secret qui a marqué des millions d'hommes et de femmes et qui en marque encore aujourd'hui énormément. Dieu aime chacun, chacune d'entre nous. Et chacun, chacune peut aimer Dieu. Finalement, entre Dieu et nous, c'est un cœur à cœur, c'est un dialogue d'amour. Entre Dieu et nous, il ne peut y avoir que de l'amour. Pour découvrir
ce dialogue d'amour, ce dialogue du cœur à cœur, tout au long de cette journée, je vous invite à prendre un chemin. Un chemin au cours duquel vous rencontrerez des missionnaires qui ont voulu répondre à l'appel du Christ pour aller annoncer l'Évangile aux quatre coins du monde. Ils vous diront, elles vous diront, ce qui les rend heureux, heureuses aujourd'hui. Tout au long de cette journée, vous allez découvrir des lieux où a vécu la petite Thérèse. Et dans chacun de ces lieux, vous pourrez découvrir une partie de son message. Ayez les yeux et les oreilles grandes ouvertes afin que ce message descende jusque dans votre cœur. Tout au long de cette journée, si vous le souhaitez, vous pourrez vous réconcilier, accueillir le pardon de Dieu. Car je vous disais, la grande joie de Dieu, c'est également de pouvoir nous pardonner nos péchés pour peu que nous les regrettions avec sincérité. Tout au long de cette journée, vous allez aussi pouvoir partager entre vous, vous écouter les uns les autres, afin que la parole de chacun puisse devenir richesse pour les autres. Je vous souhaite donc une très belle journée de pèlerinage. N'en gaspillez pas un moment, n'en perdez pas un instant, car cette journée va passer très très vite. Et dès à présent, je vous invite à un moment de prière silencieuse, à un moment où chacun d'entre nous pourra parler à Dieu, se confier à Dieu dans le dialogue des cœurs. Que votre cœur parle à Dieu et que vous puissiez entendre le cœur de Dieu vous parler. Nous allons prendre ce moment de silence durant le temps d'un petit sablier que je vais maintenant retourner devant vous. Et lorsqu'il sera achevé, nous mettrons fin à ce temps de silence, à ce temps du dialogue du cœur entre vous et Dieu, entre chacun de vous et Dieu. Qu'il fut beau, ce moment de silence, ce moment du cœur à cœur, entre chacun, chacune d'entre nous, avec le Seigneur, avec notre Dieu. Ce moment de cœur à cœur, il pourra se poursuivre tout au long de la journée. Il pourra se poursuivre dans les lieux où Sainte Thérèse a vécu. Il pourra se poursuivre durant le sacrement de la réconciliation. Il pourra se poursuivre lorsque vous rédigerez ensemble une intention de prière pour les enfants du Cap en Afrique du Sud que nous voulons soutenir tout particulièrement cette année. Ce cœur à cœur, il pourra aussi se poursuivre dans la rencontre des témoins qui sont là aujourd'hui avec nous, ces témoins missionnaires que j'invite maintenant à me rejoindre afin qu'ensemble nous puissions nous confier à Dieu par notre prière.
Les prêtres qui sont dans l'assemblée sont invités aussi à venir, s'il vous plaît. Merci. Ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, regarde avec bonté ces jeunes, ces témoins, ces prêtres qui se sont rassemblés aujourd'hui auprès de toi. Ouvre leur bouche pour témoigner et leur cœur pour accueillir les merveilles. Daigne les bénir. Dans ta grande miséricorde, répands sur eux ton esprit de sagesse et de force pour grandir avec leurs amis, les témoins et les prêtres. Qu'ils découvrent la confiance, la joie et l'amour qui habitaient la petite Thérèse et sa famille. Ne bougez pas, on reste bien là, tous ensemble, car c'est Catherine qui donnera les instructions pour sortir. Porte toujours un peu plus haut la lumière de... Un, deux, trois.